Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre webinaire mensuel. Alors, webinaire autour de l'audit de surveillance, comme d'habitude, avec cette fois-ci un focus particulier autour du PSH et toujours quelques petites actualités que nous avons plaisir à vous transmettre. Petit changement inhabituel, nous avons Marc Verger qui sera en distanciel pour des raisons logistiques. Bonjour Marc. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous et à distance. Voilà, voilà. Donc, nous allons débuter alors ce webinaire. Alors, la même équipe que d'habitude, Marc Verger et moi-même. Alors, moi, je suis Raphaël de Saméros, chargé de mission qualité ici à l'ISQ depuis plus d'un an maintenant. Je suis là pour gérer tous nos process, vérifier qu'ils sont bien appliqués, bien les mettre à jour, qu'ils correspondent aux exigences de la norme, car nous aussi, nous sommes tenus de respecter des exigences, un référentiel, car nous sommes audités assez souvent également. Et donc, voilà l'essentiel de mes missions. Et toi, Marc ? Avec Raphaël, pareil, hein, il ne change pas, il prend quelques cheveux blancs chaque semaine. Donc, Marc Verger, auditeur en charge du développement et également des opérations à l'ISQ et tout un parcours dans la formation pour les auditer, ils savent tout, LinkedIn dit tout également. Et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Le mois dernier, c'était Benjamin qui était en congé, et bien cette fois-ci, c'est moi, chacun son tour. Oui. Peut-être moi le prochain, j'espère. toi, jamais, non. Ah, voilà. Alors, un petit mot sur les actualités de l'ISQ, Marc ? Oui, alors oui, et très important. Donc, l'ISQ, dans notre volonté d'être toujours plus proche de nos certifiés et aussi de voir nos auditeurs, on a lancé donc, ce qu'on a appelé les régionales. Donc, c'est un temps de rencontre qui est proposé à nos certifiés, mais pas que. On peut aussi avoir des futurs nouveaux entrants ou des prestataires qui nous auraient sollicité, qui ne seraient pas venus se faire certifier par nous. Donc, première étape a eu lieu à Bordeaux le 29 mars dernier. Temps de rencontre. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est très simple. Hein. Vous avez un point sur les actualités de la formation, un point sur l'audit de surveillance qui est la préoccupation quand même du moment, et surtout derrière en fait un question-réponse où là on prend vraiment le temps de répondre à toutes les questions. C'est vrai que dans le cadre d'un webinaire, on est souvent contraint par le temps, et derrière ça, un moment important de networking pour que eh bien, des certifiés puissent échanger les uns avec les autres. Les prochaines étapes, c'est surtout tout l'intérêt ici. Prochaine étape, donc Rennes, le 12 mai, donc c'est 18-20h ou 20h30, en fonction, avec plus et affinité, mais Rennes le 12 mai, Lyon le 17 mai et Marseille le 19 mai, donc toujours en soirée, 18-20h, 20h30, avec le même format, un apéritif pour terminer. Par contre, donc les invitations devraient partir aujourd'hui sur les trois zones de chalandise concernées, en sachant qu'on a un nombre de places limité, donc entre 40 ou 50 personnes suivant les salles, qu'on a essayé de trouver accessibles pour les uns et les autres. Donc j'espère que, eh bien, si nous avons des certifiés tout autant lyonnais, rennais ou marseillais, eh bien, qu'ils cliqueront et s'inscriront à notre prochaine régionale. Merci Marc pour cette actualité. Donc, nous allons commencer par une petite partie actualité et le focus PSH. Alors, pour commencer, nous allons continuer à parler de cette fameuse liste que nous transmettons à la DGEFP. Peux-tu nous en dire plus, Marc ? Quelle information nous transmettons ? Oui, en fait, c'est important parce qu'on en parle depuis le mois de janvier et on s'aperçoit qu'il y a toujours soit une méconnaissance, soit en tous les cas des difficultés. Je vous rappelle que la transmission d'une liste de nos certifiés à jour est une activité en fait qui se passe tous les jours à 16h. C'est une obligation, c'est un article de loi, un code du travail, le 6316-5. Donc, on respecte bien cette obligation. Ce qui est important de bien avoir en tête, c'est que les certificateurs que nous sommes 34, ne remontent que quelques informations. Le NDA, le CIREN, les quatre catégories d'action en précisant si le prestataire est certifié ou non certifié, ainsi que la date de certification et la fin de validité du certificat. Par contre, nous ne transmettons à aucun moment ni le CIRET, ni la marque commerciale, ni l'adresse. Donc, on ne transmet que le NDA et le CIREN. Très important.
Donc tu nous dis bien que le nom qui apparaîtra sur cette liste n'est pas de l'ISQ. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, le ministère donc la DGEFP, en fait, bien, va incrémenter un certain nombre d'informations complémentaires sur cette liste. Elle va incrémenter éventuellement le nom, et c'est le nom qui figure sur le BPF, donc quelquefois, il ne s'agit pas du tout de la marque commerciale. Elle va incrémenter le numéro SIRET, et généralement, c'est le numéro du siège. Et donc, c'est pour ça que certains multisites n'apparaissent qu'une seule fois. Il n'y a pas, si j'ai 10 sites, il n'y a pas 10 lignes pour moi. Il y a simplement une ligne pour le NDA qui est certifié. Donc, c'est ce qui est important, en sachant que sur les sites, on vous rappelle d'ailleurs que vous ne pouvez pas en exclure du périmètre et qu'il faut penser et envisager à faire une extension de site si vous avez pu faire preuve d'une expansion de votre périmètre, bien évidemment. Le SIRET est incrémenté par la DGEFP lorsque nécessaire. Et il est vrai qu'un multisite qui pourrait avoir 10 SIRET, eh bien, il n'y aura que le SIRET, a priori, du siège qui va apparaître, ce qui pourrait poser quelques soucis côté financeur public. Merci, Marc, pour ces informations. Et qu'en est-il de Datadoc en 2022? Alors, Datadoc, on va rester au conditionnel, mais selon les dernières informations que nous avons, et pour leur avoir parlé, aujourd'hui, en fait, les certificateurs que nous sommes transmettent donc cette mise à jour de la liste tous les jours à 16h. La DGEFP compile et incrémente les informations qu'elle peut ou qu'elle souhaite incrémenter et informerait Datadoc, et certains OPCO continueraient en fait à mettre à jour leur système par rapport à la liste transmise par Datadoc, et non pas par la fameuse liste officielle des organismes certifiés qui est accessible sous data.gouv, donc ce qui peut expliquer quelquefois quelques difficultés. Et je vous rappelle aussi une difficulté particulière, les OPCO raisonnent en SIRET alors que la DGEFP nous demande de remonter uniquement le SIREN. Merci Marc encore une fois. Alors nous avons constaté une nette amélioration par rapport à des petits couacs en début d'année. Malheureusement, apparemment, cela revient, n'est-ce pas? Oui, alors après, chaque mois, voit des difficultés nouvelles apparaître et les anciennes disparaître. Bon, il y a une mise à jour dernièrement sur Keros, donc ça remonte à deux semaines, ou à peu près deux semaines, donc il y a eu des difficultés où on voit que l'OF, responsable de la formation, doit posséder la certification Calliope. Bon, là, il y a eu un bug dans la mise à jour de leur fichier. Maintenant, ce qui est important de garder à l'esprit par rapport à toutes ces difficultés côté financeur public, il faut avoir des bons réflexes. Premier réflexe, c'est de dire: tiens, on me refuse une prise en charge au prétexte que je ne serai pas Calliope. C'est surprenant, j'ai été audité, j'ai mon certificat. Premier réflexe, je vais voir, je télécharge la liste du ministère et je vais regarder si je figure bien sur cette liste. Et il faut faire une recherche par numéro de NDA. Pas par le SIRET, pas par le SIREN, vous faites une recherche par le NDA, numéro de déclaration d'activité, c'est vraiment le point d'entrée. Après, si vous avez encore des difficultés, vous pouvez aussi regarder sur le site de France Compétences si vous deviez proposer des certifications ORS ou ORNCP, si vous avez bien été référencé par vos certificateurs et si le certificat en question, donc le titre RNCP ou le certificat ORS, sont toujours valides côté France Compétences, ce qui pourrait expliquer que vous disparaissiez aussi des DOF, bien évidemment. Et si après ces quelques réflexes qui sont pleins de bon sens, vous ne trouvez pas d'où pourrait provenir la faille, vous savez que vous pouvez toujours compter sur le personnel de l'ISQ. Nous sommes disponibles pour essayer de trouver une explication et d'activer certains contacts que nous pouvons avoir privilégiés lorsque nécessaire et lorsque nous le pouvons, bien évidemment. Alors, quelles sont ces obligations relatives au SIRET? Alors, c'est vrai que on a pu observer qu'un certain nombre de financeurs publics, pour ne pas les nommer les OPCO, nous disent « Ah, mais sur le certificat d'un organisme multisite, il n'y a pas tous les numéros de SIRET. » Eh bien oui, ils ne figurent pas. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est simplement une application du texte de loi. Donc, nous invitons dans un premier temps les OPCO à lire les mêmes textes que nous. L'article 1 de l'arrêté du 6 juin 2019, que nous dit-il? Eh bien, en fait, il nous dit que le certificat doit préciser la raison sociale de l'organisme, la portée de la certification, donc ce sont les catégories pour lesquelles je suis certifié, là où les adresses des sites. Donc, c'est vrai que sur un organisme multisite, eh bien, l'ISQ va apporter l'ensemble
des adresses des sites qui sont couvertes dans le périmètre. On va également noter la date de validité, donc c'est la date à laquelle l'ISQ a prononcé le début de la certification, la date d'échéance de la certification, ainsi que notre nom. Elle peut comporter également le NDA. Et puis voilà. Après, il n'y a donc aucune obligation côté certificateur, pour les 34 que nous sommes, de mettre un ou plusieurs numéros de SIRET sur les certificats. Donc, il ne faut pas croire ce que vous demandent les OPCO. Les certificateurs ne font que respecter les textes de loi. S'il n'y a pas de SIRET, c'est normal. Il faut rechercher par le NDA sur la liste des organismes certifiés. Très bien, merci Marc. Et que se passe-t-il si nous rencontrons un problème lors de la remontée des informations à la DGEFP ? Alors, il est vrai que tous les soirs, on regarde hein, s'il y a eu un blocage, alors total ou partiel, c'est plus généralement plutôt des blocages partiels que l'on va pouvoir observer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, s'il y a un blocage partiel, en règle générale, eh bien, que NDA est apparu comme inactif. Alors, bien sûr, nous, on va appréhender cette situation. Le réflexe, dans les 24 heures, on prend contact par téléphone et ou par mail avec le prestataire qui est certifié pour l'informer de cette difficulté. Et donc là, le prestataire a 2 mois pour essayer de trouver une solution, de régler le problème avec l'adresse de sa région. Au bout de 2 mois, s'il n'a pas réussi à régler son problème, eh bien, nous allons prononcer une suspension de certification et nous laissons encore un délai de 2 mois supplémentaires au prestataire pour régler la difficulté. Et si 4 mois après l'observation de ce problème, eh bien, il perdure, là, le certificateur est obligé de prononcer le retrait de certification. Maintenant, ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, c'est qu'indépendamment du process de l'ISQ, du process de suspension, du process de retrait de la certification, ce qu'il faut savoir, c'est que le prestataire, dès lors que le numéro de NDA est bloqué par la DGEFP, disparaît de la liste des organismes certifiés dès le premier jour. Donc après, que l'on suspende ou pas, j'ai envie de dire, ça n'a aucun impact sur les financements et les prises en charge. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment s'activer côté prestataire pour essayer de trouver une solution auprès de la DRIETS de sa région. Et pourquoi cette année, le BPF va être très important ? On est en plein dedans, en plus, il me semble. Ah, bon, on est en plein dedans, hein, c'est entre le 4 avril et fin mai. Vous avez ici une illustration hein, du guide mis à disposition gracieusement par Centre Info, donc autant le valoriser. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, la plupart des difficultés que nous observons proviennent du fait que le NDA a été rendu caduc. Caduque parce qu'il n'y a pas eu de BPF déclaré, caduque parce que le BPF a fait ressortir un chiffre d'affaires à zéro, caduque pour un contrôle, ça c'est autre chose qui aurait pu être faite par la DRIETS. Donc c'est vrai que sans NDA, de toute façon, un organisme de formation, ne peut pas prester de formation, mais surtout ne peut pas bénéficier de la certification. Donc c'est vraiment une question de survie de l'organisme, de bien faire son BPF pour assurer la continuité de son NDA. Alors, une petite partie chiffre que je vais vous présenter. Alors, oui, Raphaël, on t'a fait bosser, c'est bien hein, quand même, voilà, pour une fois. Je plaisante, bien sûr. Donc, nous avons pris en date du 9 mars dernier la liste, la fameuse liste de la DGEFP pour vous donner une première cartographie qui nous semble être toujours la seule actuellement à avoir été publiée. Donc, alors Raphaël, combien d'organismes certifiés ? Dis-nous un petit peu plus sur ces chiffres. Alors, comme nous le voyons en reprenant cette liste de la GFP, nous avons constaté qu'il y a 111 164 NDA actifs. Sur ces 111 000, il y en a 32 592 qui sont certifiés Calliope, ce qui représente 23%, presque un quart de la population, je dirais, d'organismes de formation qui ont fait les démarches Calliope et qui sont certifiés. Sur ces 32 000 organismes, nous constatons qu'il s'agit très majoritairement d'organismes qui ne se sont concentrés que sur une seule catégorie d'actions et ensuite ça va en diminuant sur les 2 catégories d'actions, 3 catégories d'actions et on voit qu'il n'y a actuellement que 450 organismes qui sont certifiés pour les 4 catégories d'actions. On a ensuite ici un peu plus de détails. Donc, on peut voir que ce sont donc la formation professionnelle qui domine grandement les certifiés Calliope, avec 26 300 certifiés uniquement pour les actions de formation. On a ensuite, en deuxième, mais bien loin derrière, le bilan de compétences.
Ensuite, pour les organismes bicatégories, on voit donc que c'est essentiellement action de formation, bilan de compétences et action de formation et apprentissage. Ce sont les deux bicatégories qui dominent le marché. Ensuite, pour les trois catégories, pareil, hein, toujours l'action de formation, toujours présent, avec cette fois en VAE et en apprentissage qui se retrouvent devant. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le 4 catégories, on a 450 organismes certifiés Kaliopi qui le sont pour les 4 catégories d'action. Belle cartographie. Et la Alors, cartographie. côté région, tiens. Voilà le point côté région de la France. Donc, on peut voir que c'est l'Île-de-France qui mène la danse, hein, avec plus d'un quart des certificats Kaliopi qui se retrouvent en Île-de-France. On voit également que nous avons la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est en deuxième position, bien aidée par la région lyonnaise. Et nous avons l'Occitanie qui est à la troisième marche du podium, avec 3 000 organismes situés dans cette région. Après, nous avons ensuite également certains organismes dans les DROM-TOM et répartis un peu partout en France. Voilà pour ce point chiffre Calliope et nous allons maintenant nous concentrer sur le handicap. Alors, peux-tu nous parler de la diversité de l'handicap, Marc? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a pris le choix à chaque webinaire de faire un focus différent. Donc, vous verrez que sur celui-ci, on a pris donc le parti de s'intéresser aux personnes souffrant en situation de handicap, qu'on retrouve dans le référentiel. Et d'ailleurs, les notions ont été renforcées au gré des publications, des mises à jour du guide de lecture. Alors, premier point, alors vous verrez que les slides sont assez chargés en texte, hein, mais bon, ce qui est intéressant, c'est de les récupérer après, bien évidemment. Déjà, premier point, la diversité du handicap, bien évidemment, il y a la notion de déficience motrice, c'est celle à laquelle on pense pour peu qu'on ait en plus des locaux qui soient ERP, quel qu'en soit le type d'ailleurs, mais bien évidemment, le handicap ne se limite pas simplement à ça. Il y a les maladies invalidantes, la déficience visuelle, la déficience intellectuelle, la déficience auditive, les troubles psychiques. Donc, on s'aperçoit en fait que le handicap est très, très, très varié, même si de nombreux organismes nous disent à chaque audit qu'ils, de toute façon, ils n'ont jamais eu à accueillir, ils n'ont jamais accueilli de personnes en situation de handicap. Mais en tous les cas, une panoplie très importante qui peut quelquefois ben, peut-être compliquer la prise en charge. Cette prise de conscience ne date pas d'hier, n'est-ce pas? Voilà, alors en fait, l'objectif hein, sur ce webinaire, c'est aussi de rappeler en fait que la prise de conscience date de 1953, si on remonte un petit peu dans les textes, avec la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est en 2000, la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ça date de 2010. Et côté français, rappelons qu'il y a quand même eu la loi sur l'égalité des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées, c'est 2005, et la loi de lutte contre les discriminations, car exclure une personne en situation de handicap relève de la discrimination et du pénal. Donc ça remonte à 2008. Donc Calliope, c'est pas, enfin, c'est approprié, mais en fait une législation qui remonte à plusieurs dizaines d'années. Et ça s'est renforcé lors des 15 dernières années. Oui, bien sûr. Alors, en tant qu'ancien dirigeant, j'ai vécu hein, la fameuse. Enfin, on connaît tous l'ERP, bien sûr, hein, donc imposé aux constructions neuves. Mais rappelons-nous hein, la fameuse mise en place de ADAP en 2015, qui imposait aux centres accueillants du public eh bien, un plan d'investissement sur 3 ans de mémoire. Donc, là aussi, pour faciliter l'accès, en tous les cas, des personnes souffrant d'une mobilité réduite, bien évidemment. Et gardons également qu'il y a eu. La notion de registre d'accessibilité. C'est un arrêté de 2017. Donc, c'est vrai que le registre d'accessibilité, à ne pas confondre avec le registre de sécurité, apparaît comme un élément de preuve potentiel indiqué dans le guide de lecture pour l'indicateur 1. Et accessoirement, on vous rappelle que ce guide doit être à disposition et communiqué sur demande au PSH pour toute ERP et que même, il me semble que ça relève du pénal sur un taux de 4 500 euros d'amende, à peu près le taux moyen. Et après, là aussi, n'oublions pas l'accessibilité numérique, ce n'est pas une nouveauté hein, pour tous nos supports. Alors, peut-être encore mise en lumière plus aujourd'hui qu'hier avec la crise sanitaire, mais la loi de 2005.
la loi pour une République numérique, c'est 2016, et la loi de septembre 2018, avec une application en 2020. Donc là aussi, on s'aperçoit que Calliope n'a fait qu'appréhender un certain nombre de textes qui existaient depuis de nombreuses années. Et que nous dit le Code du travail sur les PSH ? En fait, là aussi, beaucoup, lorsqu'on est en audit, on a l'impression que les prestataires découvrent l'importance des PSH et de l'appréhension qu'il faut avoir. Mais une nouvelle fois, ça remonte à 2006, afin de tenir compte des contraintes particulières des PSH en présentant des troubles de santé invalidants, les organismes de formation prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation, des modalités adaptées de validation de la formation. Alors, c'est vrai qu'on connaît beaucoup ça avec le fameux tiers-temps, sur tout ce qui est titre ou diplôme, bien évidemment, mais là, une nouvelle fois, ça remonte à 2006, ce n'est pas Calliope qui est venu une nouvelle fois imposer d'autres choses, et on nous dit qu'il y a des adaptations, elles peuvent être individuelles ou collectives, elles portent sur des méthodes ou des supports pédagogiques, sur des aménagements, des modalités générales d'évaluation des connaissances, et ceci, en fait, est repris, on va le voir un peu plus tard, sur nombre d'indicateurs Calliope, car en fait, on pourrait presque trouver une application PSH sur chacun des indicateurs. Et sur France Compétences, quelle est la position sur les PSH ? En fait, c'était juste pour compléter. Bien sûr, on parle beaucoup de Calliope, mais gardons à l'esprit que France Compétences s'est approprié également cette particularité avec une note de doctrine du 28 mai 2021, et ceci s'applique pour tous les enregistrements au RNCP ou au RS, avec d'ailleurs chaque dossier qui est déposé est lu par un représentant de l'AGFIP, bien évidemment, prise en compte des situations de handicap, de l'accessibilité, de la conception universelle des référentiels de certification professionnelle. Donc ça va, on s'aperçoit en fait que dans la formation, ça va bien au-delà de Calliope, ça a commencé avant Calliope et France Compétences appréhende également cette notion. Et d'ailleurs, petit clin d'œil sur tous les dépôts RS et RNCP, pour avoir échangé avec France Compétences, il est vrai qu'ils sont encore relativement, on va dire, bienveillants sur la faible prise en compte des PSH dans ce qui est déposé, mais maintenant ça va faire un an, donc je pense qu'ils vont monter un peu le curseur pour l'étude des dossiers. Comme tu nous l'as dit tout à l'heure, la discrimination, c'est constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur état de santé et de leur handicap. Donc, comme tu l'as dit, c'est du pénal. Eh oui, ne pas prendre en compte les PSH, comme le souligne Calliope, bien, ça relève également du pénal, tout à fait. As-tu des ressources à proposer ? Alors, des ressources, alors il faut quand même savoir, si on surfe un peu sur le net, qu'on va trouver plein de ressources. Et là, je crois qu'il faut saluer tout le travail qui a été fait par les acteurs du handicap. Alors, en premier lieu, bien évidemment, la GFIP, mais il y a également une richesse et une profusion de ressources qui sont proposées par tous les Cariforef régionaux. Et là aussi, un petit clin d'œil à eux pour ce qu'ils ont fait, et puis plein d'autres acteurs, en sachant que le tout dernier document que j'ai pu trouver, j'ai trouvé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, intéressant, accompagner un stagiaire handicapé en formation. C'est la région Champagne-Ardenne qui a mis ça, qui a produit ça, donc un document sympathique qui explique bien chacun des handicaps, qui va également préciser quels peuvent être les aménagements que l'on peut potentiellement envisager pour chacun des handicaps. Et je crois que c'est une très bonne ressource qui reste limitée en pages, une quinzaine, une vingtaine de pages, pour bien offrir une sensibilisation à toutes les équipes de nos prestataires certifiés. Et comme le mois précédent, tu nous as trouvé les indicateurs où les PSH peuvent être impliqués. Oui, alors c'est vrai que c'est pas très sexy, hein, je suis désolé sur la présentation, mais c'est en fait de dire qu'on pourrait, en fait, pour chacun des indicateurs quasiment, trouver un lien avec les PSH. Typiquement, dans l'indicateur 1, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, on nous dit que vous devez communiquer sur l'accessibilité des personnes handicapées et en élément de preuve potentiel, c'est là où on parle de ce fameux registre d'accessibilité. L'indicateur 4, on nous dit qu'il y a une obligation spécifique en cas d'accueil de PSH avec une prise en compte des besoins. Bien sûr, il n'y a pas que les besoins de formation, c'est quels sont les besoins d'accompagnement
et donc l'auditeur pourrait très bien aller vous demander comment vous allez appréhender les besoins d'accompagnement, d'aménagement des PSH que vous pourriez être amené à accueillir. L'indicateur 6, on nous dit que vous établissez des contenus, des modalités de mise en œuvre adaptées. Mais oui, bien, si c'est un PSH, comment allez-vous pouvoir démontrer à ce moment-là que les contenus, les modalités pédagogiques ont été aménagées et ou adaptées? On nous précise aussi, indicateur 8, je vous rappelle que vous déterminez en tant que prestataire de formation des procédures de positionnement et d'évaluation à l'entrée de la formation. Si on sait que le tiers-temps existe pour passer son titre ou son diplôme, mais là aussi, l'auditeur pourrait essayer de vous demander mais en quoi est-ce que vous avez adapté vos procédures d'évaluation en amont, parce que bien sûr, le tiers-temps, on va surtout le penser pour l'examen final. Mais comment ou quelles sont ces mesures d'aménagement que vous avez pu proposer en lien avec l'évaluation initiale. Après, on en trouve partout, et c'est vrai que je l'ai défilé un peu rapidement, mais j'invite vraiment nos interlocuteurs à reprendre ce document et se dire, tiens, oui, j'ai annoncé que j'accueille des PSH, si on vient me chercher là-dessus, qu'est-ce que je peux démontrer en tous les cas? L'indicateur 9, le prestataire informe le public des conditions de déroulement de la prestation. Justement, en quoi est-ce que cette information va être différente à l'attention d'un PSH que d'une personne qui ne le serait pas? Indicateur 10, le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l'accompagnement. Très bien. Preuve, on nous parle de liste des référents handicap et je vous rappelle également que pour les CFA, donc pour l'apprentissage, vous avez les 14 missions qu'il faut aussi prendre en compte et en lien entre autres avec les PSH. Les indicateurs 11 et 16, le prestataire évalue. Comment aménagez-vous évaluation indicateur 11 initial et le 16 évaluation finale. Le 12, on nous dit que vous mettez en œuvre des mesures pour favoriser l'engagement des bénéficiaires et prévenir les ruptures de parcours. Bien évidemment, en accueillant des PSH, si vous ne mettez pas en place des mesures d'aménagement, on pourrait supposer que vous n'allez pas forcément faire tout le nécessaire pour prévenir une rupture de parcours d'un PSH. L'indicateur 13, on nous dit qu'on vient, le prestataire, en lien avec l'entreprise, anticipe les missions confiées. Donc là, on est surtout sur tout ce qui est alternance, donc apprentissage et contrat pro. La question est que vous appréhendiez les adaptations nécessaires dans le cadre de l'enseignement, c'est bien. Maintenant, comment est-ce que vous faites le lien avec l'entreprise? Comment est-ce que vous avez pu sensibiliser l'entreprise, peut-être au handicap de la personne que vous accueillez, et en quoi les missions ont été adaptées? Donc là aussi, on pourrait regarder un dossier particulier. L'indicateur 14, on nous dit que vous mettez un accompagnement socio-professionnel éducatif. Ça, c'est tout ce que vous allez faire pour les PSH. Le 15, information des apprentis sur leurs droits et devoirs. Je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de droits spécifiques qui sont accordés aux apprentis en situation de handicap. Donc là aussi, à bien prendre en compte et à pouvoir le démontrer. Le 17, c'est pas l'auto, et on arrive bientôt à la fin, je vous rassure, mais c'est la mise à disposition des moyens techniques adaptés. En quoi justement vos modalités pédagogiques ont pu être adaptées, en quoi les locaux, donc ERP, pas ERP, qu'est-ce qui est fait? Il y a un ascenseur d'accès, une rampe d'accès, etc. etc. Le 18, on nous dit que vous coordonnez l'ensemble des intervenants. Un PSH, comment est-ce que vous avez pu intégrer cette notion dans la coordination et encore vous avez peut-être pu sensibiliser les différents acteurs auprès d'une personne en situation de handicap. Le 19, vous mettez à disposition des ressources pédagogiques et vous permettez surtout aux bénéficiaires de se les approprier. Donc là aussi, avec un déficit visuel, avec un déficit auditif, comment est-ce que vous allez pouvoir démontrer que vous avez mis en place des aménagements qui permettent bien à nos apprenants de pouvoir s'approprier les documents mis à disposition. Je passe sur l'indicateur 20 qui impose au CFA d'avoir un référent handicap. La question que l'auditeur pourrait se poser, c'est au-delà du nom, quelle est la légitimité de Pierre-Paul-Jacques d'avoir été nommé en fait référent handicap? On ne recherche pas qu'un nom, on va également rechercher la légitimité que peut avoir cette personne sur le handicap. Après le 18, il y en a d'autres, et on nous dit, on repart de la liste des référents handicap. 21, compétences requises pour réaliser les prestations. Là aussi, est-ce que les personnes ont été sensibilisées, oui ou non? Entretien et développement des compétences, avez-vous mis en place des sensibilisations, oui ou non? Avoir veille légale et réglementaire, on vous parle du handicap
également éveil en innovation pédagogique et technologique, et bien en quoi vous êtes vraiment ici informé des dernières adaptations, des derniers aménagements possibles qui pourraient faciliter le parcours d'un PSH, et je passe le 26 qui est spécifique PSH. Donc c'est long et fastidieux, mais c'est très important. Exactement, comme tu l'as dit Marc, hein, les PSH, on peut les retrouver dans pratiquement tous les indicateurs, et donc c'est, comme tu l'as dit, important de se poser, de lire et de se dire est-ce que je suis prêt, si l'auditeur me pose des questions sur comment je me prépare pour les personnes en situation de handicap. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, hein, donc la partie un peu commune à tous nos webinaires, hein, qui traite de l'audit de surveillance et l'utilisation du logo Calliope. Nous allons commencer dès maintenant. Alors, Marc, à qui s'adresse cette seconde partie du webinaire ? Oui, j'ai compris le message de Benjamin. Donc, il faut un peu speeder. Donc, globalement, bien sûr, on est plutôt sur des organismes qui sont certifiés, après suite à un audit initial, voire éventuellement d'extension de catégorie ou de site. On est vraiment sur l'audit de surveillance, mais sinon, ça s'adresse bien sûr à tout le monde. Alors, et cet audit de surveillance sera-t-il plus facile ou plus difficile ? Ah, c'est une petite nouveauté. Hein. C'est vrai qu'on se posait la question. Plus facile ou difficile ? Déjà, je dirais qu'il faudrait faire attention. Ce n'est pas parce qu'on a passé avec succès l'audit initial que tout est dans la poche. Donc, il ne faudrait pas faire preuve d'excès de confiance. En plus, gardons à l'esprit que certains ont eu un audit aménagé à l'initial ou étaient nouveaux entrants. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs qui vont être audités pour la première fois lors de l'audit de surveillance. Il faut être sûr d'être bien préparé. Gardons également à l'esprit que les auditeurs aujourd'hui maîtrisent beaucoup mieux le référentiel et les attendus qu'ils pouvaient le faire lors de deux premières années. Gardons à l'esprit que le guide de lecture a évolué, même si la dernière mise à jour remonte à peu près un an. Et surtout, un impact très fort potentiel, c'est le temps très court de certains audits, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audits en demi-journée, avec une obligation de voir tous les indicateurs. Donc là, une incapacité à présenter un élément de preuve pourrait conduire directement à des non-conformités, bien évidemment. Et gardons à l'esprit que sur une demi-journée, avec la modalité distancielle, c'est vrai que ça peut renforcer la difficulté pour présenter des éléments de preuve qui n'auraient pas été numérisés, bien évidemment. Et une petite question pratique, si je souhaite réaliser un audit d'extension, est-il plus judicieux de le faire avant ou après l'audit de surveillance ? Alors, sur l'exemple qu'on a ici, sur le slide, je vais dérouler la suite. L'exemple semblerait démontrer qu'il vaut mieux faire l'audit d'extension après l'audit de surveillance. Par contre, ce n'est qu'une réponse à un exemple très concret et précis. La seule chose que nous invitons tous les participants à faire, c'est dans une perspective d'audit d'extension de site ou de catégorie, avant de prendre la décision quant au timing, revenez vers l'ISQ, revenez vers nos services pour qu'on puisse vous présenter les deux alternatives en termes de durée d'audit et que vous puissiez prendre les décisions avec un éclairage correct. Alors, qu'en est-il des deux timings de la certification en fonction des aménagements qu'on a eus à cause de la COVID-19 ? C'est vrai qu'on a en fait une certification à deux vitesses. Hein. Il y a 2019-2020 pour ces certifiés-là, nous sommes sur 4 ans. Pour les autres, on est 2021 et 2022. On est simplement sur une durée de 3 ans de validité. Donc, c'est que vous avez pour les certifiés 2019 et 2020 une plus large période de réalisation d'audit de surveillance. Sinon, la loi, c'est toujours entre le 14e et le 22e mois. Et donc, ces deux timings ne risquent pas de compliquer la situation pour la programmation de l'audit de surveillance ? C'est vrai, quand tu cliques, on s'aperçoit surtout que, en fait, ici, on pense que tous les certifiés 2020 devraient quasiment passer en 2022, une bonne partie des certifiés 2021. Donc, c'est vrai que, et en plus, là, il y a une double difficulté, c'est que la plupart des certifiés vont surtout se faire auditer à partir du mois de juin jusqu'en fin d'année et premier trimestre 2023. Donc, il y a un possible petit embouteillage qui risque de se produire. Et la deuxième difficulté, c'est le fait qu'on soit sur des audits de demi-journée, ce qui ne permet pas toujours, en fonction de la modalité, à un auditeur de faire en fait deux demi-journées en une journée. Ça marche très bien sur Excel, mais pas forcément en pratique.
Et qui prend contact avec qui? Qui lance les hostilités? Alors, mais bien, c'est l'ISQ qui lance les hostilités, bien sûr, par mail d'abord, hein, donc on va vous contacter en amont, le 11 mois avant, pour ceux qui sont certifiés 3 ans, en vous disant, attention, la période d'ouverture pour de l'audit de surveillance va arriver, et là, on va vous demander de remplir quelque chose. Pas de réponse, un mois plus tard, on vous relance. Pas de réponse, un mois plus tard, on vous relance une nouvelle fois par mail, et ensuite, on prend contact avec vous. L'important, c'est en fait de saisir quelles sont les informations quant à vos changements et de programmer la date, même si vous programmez la date en fin d'année. L'important est aujourd'hui de programmer l'audit et que tout le monde sache et que nous, on puisse sécuriser les auditeurs, en fait. Et donc, quel est le processus de réalisation de cet audit de surveillance? L'audit, en fait, ça va être le même que sur l'audit initial. Simplement, dès lors qu'on va recevoir vos éléments, on va mener une certaine analyse de risque, à voir quels sont les changements que vous avez bien voulu partager avec nous et en quoi ceci pourrait présenter un risque quant à votre capacité à maintenir les attendus de la certification. Et derrière ça, bien évidemment, un plan d'audit est adressé, l'audit se passe. Il y a le même délai pour le traitement des non-conformités que pour l'audit initial. Donc après, rien ne change. Et la modalité de réalisation de cet audit, quelle Bah, est-elle? tous. Alors, la loi nous disait, hein, le premier c'est en présentiel, le deuxième est à distance, en sachant que l'ISQ laisse la possibilité de passer en présentiel dans ce premier cas de figure. Par contre, pour ceux qui ont un audit à distance du fait de la crise sanitaire lors de l'audit initial, l'audit de surveillance sera obligatoirement, sans dérogation, en présentiel. Pour la durée, si mon périmètre est resté le même depuis l'audit initial, quelle va être la durée de mon audit? La durée de l'audit, en fait, elle a été précisée lorsque vous avez contractualisé avec votre certificateur et avec l'ISQ dans le devis et dans le contrat. Donc, si le périmètre est équivalent, il n'y a pas de modification. Et en sachant qu'une hausse à la, enfin, une évolution à la hausse ou à la baisse du chiffre d'affaires n'aura pas d'impact sur la catégorie, sur la durée, pardon, de l'audit. Et si au contraire mon périmètre a changé, si j'ai réalisé un audit d'extension de catégorie ou de site entre mes deux audits, quelle va Eh être la même bien. durée? Eh bien voilà, c'est en fait uniquement dans cette perspective, dans cette configuration, hein, extension de site et ou de catégorie, que la durée pourrait être revue par le certificateur. Et donc, bien évidemment, ceci sera pris en compte lors du calcul ou de la révision de la confirmation de la durée d'audit. Donc, mais c'est uniquement dans ce cas-là que la durée devrait changer à périmètre constant, même durée que celle qui a été communiquée lors du devis. As-tu un exemple concret à nous montrer? Oui, bon, un exemple concret, hein, 750, j'ai un chiffre d'affaires de plus de 750 000 euros, je fais de la formation, et enfin, on va dire des contrats pro et j'ai aussi des apprentis. Eh bien, la durée de base, c'est un jour, j'ai une demi-journée pour la partie formation, une demi-journée pour la partie apprentissage. Donc, j'ai 2 jours ici d'audit de surveillance. Et pour les multisites, on n'applique pas la règle de la racine carrée, c'est bien ça? Non, 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 on n'applique pas la règle de la racine carrée qui était spécifique à l'audit initial. Donc là, en fait, il n'y aura qu'un site et ça doit être un site qui n'a pas été audité. Donc c'est vrai, quelquefois, ça peut donner lieu à discussion pour trouver un site qui n'a pas été audité, mais qui soit représentatif de l'ensemble des catégories. Donc quelquefois, nous pouvons être amenés à aussi choisir 2 sites parce qu'un seul site ne correspond pas à cette capacité à présenter l'ensemble des catégories certifiées. Et maintenant, qui va venir nous auditer? Ben, en fait, même si on aimerait bien évidemment conserver les mêmes auditeurs, ce n'est pas toujours possible parce que certains ne sont plus en activité. Je pense à Anne-Françoise chez nous, à Catherine, à Philippe, eh bien, qui sont partis à la retraite et tant mieux pour eux. Donc là, bien sûr, on ne peut pas les mobiliser. Ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est que certains d'audits ont été réalisés à distance lors de l'audit initial sans qu'on ait pris en compte la localisation des auditeurs. Donc là, il faut aussi qu'on puisse changer. L'ISQ peut prendre aussi une décision d'arrêter sa collaboration avec certains. Et puis certains prestataires nous demandent quelquefois de changer. Donc il n'y a pas vraiment de règles. On essaye de privilégier une certaine continuité et ce n'est pas toujours possible au regard de ces éléments. Quels vont être les éléments qui vont être demandés en amont de la préparation?
Alors, en amont, c'est pour qu'on puisse faire, nous, notre analyse de risque. En gros, c'est est-ce qu'il y a eu des évolutions juridiques ou pas? Est-ce qu'il y a eu des évolutions organisationnelles? Typiquement, je faisais appel à la sous-traitance, je ne fais plus appel, ou je ne faisais pas appel, je fais appel à la sous-traitance. S'il y a eu des évolutions matérielles, des nouveaux locaux, un plateau technique, et également l'évolution des ressources humaines, et surtout derrière ça, une évolution de votre chiffre d'affaires. Vous proposez peut-être de nouvelles thématiques de formation, vous ne faisiez pas de titres RNCP, vous proposez des titres RNCP. Donc, tous ces éléments vont être appréhendés par l'auditeur en sachant qu'ils seront bien évidemment confirmés à l'issue de la réunion d'ouverture lors de l'audit. Et quels sont les objectifs de cet audit de surveillance? Pour faire très court, en fait, on doit s'assurer que vous avez toujours en place eh bien, tout ce qu'il faut pour démontrer que vous respectez toujours le référentiel en vigueur. Et on fera surtout attention en fait, aux plans qui ont été mis en œuvre hein, pour corriger les non-conformités majeures ou mineures, bien évidemment, en complément de l'analyse de risque pour voir si, je ne sais pas moi, un doublement du chiffre d'affaires eh bien, aurait pu mettre en risque votre capacité à maintenir les attendus du référentiel national qualité. Et pour les organismes multisites, y a-t-il des enjeux supplémentaires? Le seul enjeu supplémentaire, ça va être que de toute façon, nous allons auditer la fonction centrale. La fonction centrale n'est pas un lieu géographique, c'est une entité. Donc, bien sûr qu'on va choisir un site, mais on va en profiter pour nous assurer une nouvelle fois que la fonction centrale, qui est un prérequis pour un multisite, est bien en place et a toute l'autorité qui est démontrée. Quelle va être, comme tu disais, une durée raccourcie, quel va être l'impact de ce raccourcissement sur l'audit? Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'audits hein, pour les organismes qui font moins de 750 000 euros de chiffre d'affaires vont avoir une demi-journée d'audit, sauf à faire de l'apprentissage avec une demi-journée supplémentaire. Mais ça veut dire typiquement qu'un organisme qui ferait formation VAE et bilan de compétences va avoir une demi-journée. Et donc, bah, eh bien, trois catégories, c'est potentiellement 74 indicateurs, puisque certains ont des obligations spécifiques, même si certains peuvent être transversaux. Mais il faut comprendre que mathématiquement, nous n'avons que 2 minutes 30 par indicateur. Donc, c'est pour ça que je dis que il va falloir se dépêcher et que tout couac technique en audit à distance peut présenter un danger. Et au final, qu'est-ce qui sera audité? Alors, bah, auditer normalement l'ensemble des indicateurs. Donc, ça a été rappelé par la DGEFP C'était suite à un mail confirmé. qu'on leur a adressé il y a 2 semaines de cela. Et il y avait plusieurs sons de cloche. Donc, au moins, on sait que l'ensemble des indicateurs doivent être observés. Une attention particulière sur les non-conformités, les plans d'action. Une attention particulière quant à vos évolutions. Une attention particulière sur la bonne utilisation de la marque et du logo Calliope, bien évidemment. Une attention particulière à tous les indicateurs qui n'auraient pas été audités lors de l'audit initial pour les nouveaux entrants. Et ce qu'elle va en aménager, bien évidemment. Et pour les non-conformités, si j'ai des non-conformités sur mon audit de surveillance, comment ça va se passer? Ben en fait, la même chose, hein, la même délai de traitement que pour l'audit initial. Une majeure, vous avez 3 mois divisé en deux, hein, 2 mois pour présenter un plan d'action, 1 mois pour le vérifier. Et pour les mineurs, vous avez 1 mois pour présenter un plan d'action afin que l'ISQ le valide. Rien, aucun changement là-dessus. Très bien. Merci, Marc. Et maintenant, on en vient au logo. On a presque fini le logo puisque c'est l'un des points de vérification. Alors, sur quels sont les fondements réglementaires ou législatifs sur lesquels on peut s'appuyer déjà pour comprendre ce qu'il faut faire et pas faire? Alors, il faut s'appuyer sur la charte d'usage de la marque de garantie Calliope qui vous a été transmise lorsque vous avez été certifié. Donc, on se base là-dessus pour faire nos vérifications. Nous faisons des vérifications aléatoires, pardon, à l'aide de votre site internet. On va regarder si vous utilisez le logo correctement. Et puis, une deuxième méthode de vérification, et comme l'a dit Marc tout à l'heure, c'est lors de l'audit de surveillance. L'auditeur prendra forcément un temps pour vérifier votre utilisation du logo Calliope sur des documents que nous ne pouvons pas voir depuis notre ordinateur. Donc, je parle plus précisément de programmes, de plaquettes imprimées, de contrats qu'on ne peut pas forcément voir, nous, d'où est-ce qu'on est. Et donc, si nous constatons un usage incorrect du logo Calliope, nous vous le ferons savoir, donc soit par mail, soit lors de l'audit de surveillance, et vous devrez ensuite vous mettre en conformité. Et à défaut de mise en conformité, l'organisme certificateur proposera la suspension ou au retrait de la certification. Mais rassurez-vous, ce n'est toujours pas arrivé. Alors, quel logo on utilise? Parce qu'on voit toujours deux logos.
Alors, nous avons ici les deux logos. Alors, à gauche, l'ancienne version, donc, qui commence à dater, hein, avant le 7 décembre 2020, et à droite, la version en vigueur, qui donc, est en place depuis le 7 décembre 2020. La seule différence, c'est l'ajout du bandeau République française et de la Marianne. Donc, celui de droite et celui à utiliser maintenant, on n'est plus censé voir celui-là à gauche. Parfait. Et donc le logo tout seul ne suffit pas, il y a une mention obligatoire à compléter par le prestataire qui est la certification qualité à délivrer au titre de la ou des actions des catégories d'actions suivantes. Alors, comme on l'a vu plus tôt, hein, certains organismes sont certifiés pour deux catégories, 4, 3, une, la VAE, le bilan de compétences. Donc il est important de préciser sur quoi porte votre certification Qualiopi, qu'est-ce que l'auditeur a vu qui a permis de dire OK, cet organisme est certifié Qualiopi. Et alors, bah voici quelques exemples, hein, donc entre les bons et les pas bons. C'est ça exactement. Donc, comme je disais à gauche, hein, juste le logo Calliope, on n'a pas la phrase, donc c'est non conforme. Et à droite, on a plusieurs cas de figure de phrases qui ont été mises au goût du bénéficiaire. Donc là, on est en droit d'utiliser ce qu'on veut, de la couleur, du blanc, de l'italique, du gras, de peu importe la police. Vous êtes libre de création et c'est le seul endroit où vous pourrez porter votre petite touche artistique si vous le souhaitez, car malheureusement le logo Calliope n'est pas modifiable, que ce soit en couleur, que ce soit en flou, en gras, des petits effets brillants. Vous n'avez pas le droit de modifier, vous devez l'utiliser tel qu'on vous l'envoie. Alors, au final, ce que je peux et ne peux pas faire. Alors, partie de gauche, que vous avez le droit de faire. Donc, sur votre site internet, en page d'accueil, en pied de page ou dans un onglet dédié, type nos certifications, notre démarche qualité, qui sommes-nous, ou est-ce que vous souhaitez parler un peu plus en détail de votre organisme, et bien là, vous pouvez l'utiliser, mais comme je l'ai dit plus tôt, toujours en précisant les actions certifiées. Également sur un catalogue de formation qui reprend toute votre activité, le logo Calliope doit être utilisé donc, de façon générale, qu'on comprenne que c'est votre organisme qui est certifié Qualiopi et qui propose toutes ces formations-là, et donc ce ne soient pas les formations qui soient certifiées. Ensuite, vous pouvez également utiliser sur des diaporamas, si vous souhaitez répondre à des appels d'offres notamment, vous pouvez utiliser, faire une petite slide de nos certifications et montrer que vous êtes Qualiopi, vous avez le droit. Sur des affiches ou des brochures, toutes pareilles, qui mettent en avant votre organisme et votre fonctionnement. Mettons, nous faisons des formations en management. Vous avez le droit d'utiliser le logo Qualiopi et également sur une signature de mail ou une carte de visite, mais toujours en précisant les catégories d'actions certifiées. Et le je n'ai pas le droit, donc c'est comme je l'ai dit plus tôt, la certification Qualiopi est une certification de processus, donc c'est votre organisme qui est certifié Qualiopi et non vos formations, parce que l'auditeur n'est pas rentré en détail dans vos programmes de formation. Donc, vous n'avez pas le droit d'apposer le logo sur ce qu'on appelle les plaquettes de formation ou le programme de formation, certains appellent ça différemment. Disons tout support qui détaille la certification, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Et donc, par continuité, sur tous les documents liés à une action de formation, donc on entend par là les devis, les convocations, conventions, contrats, feuilles de présence, attestation de formation, attestation de résultat, attestation de réussite, comme vous le voulez, facture, pareil, vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo Calliope, car la charte graphique nous dit que c'est interdit de l'utiliser sur des documents liés à une action de formation. Et donc, la facture pour la formation du 12 avril 2022, prendre la parole en public, et bah, c'est un document lié à une action en particulier, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. L'ISQ a également dit que sur du papier en tête, nous déconseillons l'utilisation enfin, du logo Calliope car il est impossible de contrôler la diffusion et le contenu du document car tant qu'il est vierge, eh bien, il est conforme. Et une fois rempli, qu'est-ce qui nous dit qu'il sera toujours conforme et que ensuite ce papier en tête ne deviendra pas à l'avenir une facture ou une convocation? Donc il serait plus sage de ne pas l'utiliser sur du papier en tête. Voilà pour l'utilisation du logo Calliope. Et une dernière partie avant de passer aux questions qui est plutôt sur l'avenir, sur 2024. Alors, si 2022 et 2023 vont être des années consacrées à l'audit de surveillance, en 2024, quels vont être les enjeux? Quels vont C'est être? vrai, Raphaël. Donc là, bien sûr qu'on fait attention en 2023, enfin 2022-2023 avec l'audit de surveillance, mais on sait que les premiers audits de renouvellement
vont intervenir en fait fin 2023, enfin sur le dernier trimestre a priori. Ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, en fait, c'est que eh bien, on va devoir réaliser les audits de renouvellement de tous les certifiés 2020 et 2021 en une seule année. Donc, en fait, on va faire deux années en une. Donc, clairement, 2024 va être une année potentiellement très, très compliquée. Et là, il y aura vraiment un goulet d'étranglement. Et que prévoit l'USQ pour faire face à ce goulot d'étranglement ? En fait, on est contraint aussi par la norme, hein, et le COFRAC, donc on ne peut pas faire réaliser un audit de renouvellement un an avant la fin, bien évidemment. Donc, on va essayer de d'étirer au maximum pour commencer au plus tôt les audits de renouvellement, en sachant que, bien évidemment, ça ne changera pas la date de fin de certification. Donc, on pense qu'on va peut-être pouvoir commencer vers le 4e ou 5e mois avant la fin de la date de certification, mais l'ISQ va surtout solliciter les prestataires bien en amont. L'important, là aussi, sera une nouvelle fois de pouvoir en fait valider les dates d'audit de renouvellement, puisqu'il y aura toujours, il faudra aussi prendre en compte le délai potentiel de traitement des non-conformités, mais garder à l'esprit que si 2024 va être chargé en audit, je pense que 2023 sera chargé en programmation pour nos prestataires. Et voilà, je crois qu'on est arrivé au bout, Marc, et c'est donc... Oui. Votre troisième larron sur les trois, Benjamin, en back-office, qui va reprendre le lead. Bonjour à tous. Donc, on a toujours énormément de questions. Donc, comme d'habitude, hein, je précise en préambule de cette session de questions-réponses que oui, le support du webinaire vous sera adressé, que vous pouvez retrouver d'ores et déjà l'ensemble des rediffusions de l'ensemble de nos webinaires sur notre chaîne YouTube, et que donc le support de ce webinaire vous sera adressé par mail d'ici fin de semaine. Voilà, je clôt le sujet. Alors, je déroule dans l'ordre des thématiques, et je prendrai quelques questions également qui tombent actuellement, si le temps nous le permet. Alors, une première question d'ordre assez général, Marc, et qui est assez spécifique. Je pense que c'est un OF de taille assez conséquente qui nous pose la question. On nous parle de filiales, en fait, de filiales qui seraient anglaises et allemandes et qui forment elles-mêmes des clients français, en fait. Et du coup, quid, en fait, de la certification pour ces filiales qui sont internationales et pour que les clients français, en fait, puissent bénéficier des financements publics de leur formation? C'est un sujet sur lequel on passerait trop de temps. Donc, si c'est un certifié ISQ, ils peuvent revenir vers nous. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit, c'est que pour ces filiales qui seraient à l'étranger, il faut qu'elles aient un minimum un représentant légal en France, et c'est le représentant légal qui doit être certifié et qui doit porter le NDA. C'est cette chose-là. Sinon, après, c'est de faire que l'entité française facture et sous-traite à la filiale étrangère. Bon, grande ligne et grosse okay. bouche. Merci Marc. Je reviens sur le sujet des remontées des GEFP. On a eu quelques questions. On nous demande si nous constatons que la liste publique des OF contient des erreurs concernant la certification Calliope sur notre organisme, est-ce que c'est à l'OF de l'indiquer ou pas ? Alors, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que la liste est juste ? J'ai la réponse. Je sais qu'il y a des erreurs. Maintenant, ce que l'on peut inviter à faire, c'est que si l'organisme est certifié par l'ISQ, il faut nous faire la remontée d'informations. Nous avons déjà eu un cas comme celui-ci. Notre remontée, on a pu s'apercevoir que notre remontée était correcte. Donc, nous avons notifié en date du 11 janvier la DGEFP sur une erreur pour un certifié. Il faut savoir que la liste à ce jour n'est toujours pas corrigée, mais que nous ne pouvons pas, corriger la liste. La seule chose que l'on puisse faire, c'est de s'assurer que les informations que nous remontons sont correctes. Et après, charge aux prestataires de prendre contact avec la DGEFP pour qu'eux puissent corriger. Mais nous n'avons pas cette capacité dès lors que les informations qui sont remontées sont justes. Très bien, merci pour ta réponse, Marc. Toujours sur ce même sujet, on nous demande la question des sous-traitants, en fait, qui revient assez souvent. Est-ce que un formateur indépendant, qui est donc sous-traitant, est-il tenu par l'obtention d'un NDA ?
En fait, ça, c'est le droit de la formation, ce n'est pas du Calliope, hein. Vous avez les formateurs occasionnels. Il y a une règle, enfin, vous allez faire du Google, je n'ai pas ça en tête. Donc, vous avez des formateurs qui donc, ce n'est pas l'activité principale et pour lesquels ils ne sont pas tenus d'avoir un NDA. Et pour d'autres, ils sont tenus d'avoir un NDA, oui, en sachant que Calliope nous dit que, indicateur 27 de mémoire, le référentiel n'impose pas aux sous-traitants d'être Calliope. Ok. Et alors, toujours pour finir sur cette thématique et sur la question des sous-traitants, je recroise. On me demande donc ce qu'on entend par un sous-traitant et surtout, est-ce qu'un formateur qui est au statut d'auto-entrepreneur est-il un sous-traitant? Il va être considéré comme tel et après reste à voir comment est-ce que le prestataire contractualise avec ses intervenants extérieurs. Merci Marc. Je passe rapidement sur la question du handicap, sur laquelle on a eu quelques questions également. On nous demande si, dans notre OEF, avoir des salles pour toutes les personnes en situation de handicap, mobilité réduite, visuelle, est-ce que donc l'OEF doit s'équiper en conséquence en fait? Ah, non, enfin, une nouvelle fois que enfin, Calliope n'impose pas d'abord d'avoir des locaux ERP. Hein, certains locaux ne seront jamais ERP parce qu'ils ne sont pas modifiables. On ne peut pas mettre d'ascenseur, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Simplement, en fait, le registre d'accessibilité, si on devait prendre ce document, précise en fait ben, quelle est la nature, le degré d'accessibilité du local, mais Calliope n'impose pas d'avoir des salles qui puissent accueillir des personnes en situation de handicap, en sachant que ceci ne correspond qu'à un profil d'handicap tel qu'on l'a évoqué. Très bien. Bon, et Marc, ça répond du coup à ma seconde question qui concernait un organisme de très petite taille, une personne en charge, et est-ce qu'il a besoin d'avoir une accessibilité ERP? Donc voilà, on a fait d'une pierre deux coups. Dernière question sur le handicap, on nous demande si le référent handicap d'un établissement peut aussi être le référent de l'organisme de formation. Sauf si je comprends bien donc l'établissement et l'organisme donc ça veut dire que ce serait un organisme qui serait multisite. On voit très souvent sur des organismes multisites côté apprentissage bien chaque site a son référent handicap local et il y a très souvent un référent handicap national qui va coordonner l'ensemble de la sensibilisation. Enfin, bon, après chacun fait ce qu'il veut mais ça s'est déjà vu et c'est tout à fait possible. Très bien, merci Marc. Je bifurque sur l'audit de surveillance, donc encore quelques questions. Je vais en prendre quelques-unes dans le chat là, qui nous sont posées là au moment où on se parle. Alors, on nous demande si nous avons fait pardon, notre audit initial, est-ce que nous, ISQ, nous contactons donc dans les 16 mois après pour donner une date d'audit de surveillance qui se tiendra 2 mois après? En gros, on nous demande un peu en termes de délai, comment ça se passe. Non, en fait, l'ISQ va contacter les prestataires, mais en sachant qu'on s'y prend bien en amont, mais ça ne veut pas dire que l'audit va avoir lieu dans les 2 mois qui suivent le contact. Donc, en fait, il y a ce délai entre le 14e et le 22e mois pour les certifiés 2021. Et bien, à ce moment-là, l'ISQ vous contacte bien en amont, mais vous pouvez programmer votre audit de surveillance le 20e mois si vous le souhaitez. Moi, par précaution, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux prévoir quand même un temps de traitement de non-conformité potentielle, donc le faire 3 mois avant la date butoir. Mais en fait, la date est choisie conjointement entre l'ISQ et le prestataire. Ok, très bien, merci Marc. On nous demande aussi si l'audit d'extension de site doit se faire obligatoirement sur site. Il n'y a pas de règle. C'est vrai que un certain nombre d'audits d'extension sont plutôt sur site, surtout qu'un audit d'extension est un audit complet, ce qui peut nous permettre d'appréhender entre autres la mise à disposition de locaux et ou de moyens techniques. On peut se caler quelquefois sur la modalité de réalisation de l'audit initial ou de l'audit de surveillance en fonction du timing de la réalisation de cet audit d'extension. Il n'y a Très pas de bien. règle particulière. Ok, merci Marc. Alors, des questions un peu plus d'ordre général. On nous demande si, à part le guide de lecture, est-ce qu'il existe un document plus complet pour mieux se mettre en conformité? Il n'y a pas de. Enfin, le guide de lecture est complété par le question-réponse du gouvernement.
Donc ça, c'est un document complémentaire. Il est complété par la charte graphique et ce qu'a présenté Raphaël concernant le logo, bien évidemment. Après, vous avez toute la réglementation de la loi sur la formation, mais Calliope pure, le guide de lecture, est le seul élément, aujourd'hui, la V7 en vigueur, qui existe officiellement. Juste de questions-réponses. Merci, merci Marc. Dernière question un peu d'ordre général. On nous demande où est-ce qu'on peut retrouver la charte d'usage de la marque Calliope. Google. Google. Mais sinon Raphaël, où est-ce qu'on télécharge? C'est sur Google, sur le site du gouvernement. Après, on vous l'a transmis lorsque vous avez été certifié. On envoie un zip avec le logo et toutes les chartes graphiques. Donc, normalement, vous l'avez reçu, mais voilà, elle sera disponible sur le site du gouvernement. Ok. Eh bien, écoutez, il est 13h02, je pense qu'on va s'arrêter là. Encore beaucoup de questions, j'en suis navré, sur lesquelles nous n'avons pas eu le temps de vous fournir une réponse. Pour préciser, vous avez également sur notre site internet ISQ, sur la page Calliope, vous retrouvez une FAQ qui traite un peu de tous ces différents sujets et qu'on met à jour régulièrement. N'hésitez pas à la visiter. Mm-hmm. Et je pense que d'ici cet été, mais à reconfirmer avec Marc, on essaiera de faire une édition qui laissera un peu plus de temps justement à ces questions-réponses. On reprendra également toutes les questions pertinentes que vous nous avez posées tout au long de ces webinaires qui concernent l'audit de surveillance. Oui, voilà. Oui. Et en sachant que certains nous demandent de faire ça aussi en fin de journée, donc peut-être qu'on se pliera au souhait de nous certifier pour faire aussi une séance de fin de journée. Peut-être pas nocturne, mais de fin de journée. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre attention. On se retrouve physiquement pour ceux qui le souhaitent au mois de mai entre Rennes, Lyon et Marseille. Et puis il y aura un webinaire et on va déterminer le focus pour le prochain. Il n'est pas encore arrêté, mais ça ne saurait tarder. Très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.